Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Et ce soir, on ouvre 16 largages de ravitaillement rare. Donc voilà, donc j'ai économisé 502 clés de cryptage, pardon. J'ai un peu fatigué là. Et donc voilà, donc je vais pouvoir ouvrir donc normalement 16 ravitaillements rares. Donc la mise à jour vient d'être faite hier. Donc il y a eu du changement et maintenant les ravitaillements rares, les ravitaillements rares valent vraiment le coup. Donc voilà, après à dire si c'est mieux un rare ou mieux un ravitaillement, je pense que maintenant c'est kiff. Bon, le ravitaillement standard, il y a des trucs pas mal dedans, on peut avoir des légendaires et tout, enfin des légendaires et tout. Mais ça coûte moins cher, donc on peut en avoir plus et donc c'est, je pense, si on veut plus avoir un paquet de trucs, un paquet de trucs débloqués et tout, même si c'est pas standard, mais un paquet d'objets débloqués, je pense que c'est mieux les standards. Après, si on veut vraiment viser les trucs vraiment rares et tout à avoir, je pense que ça vaut plus le coup de payer 30 et de mettre un rare, voilà. Sachant qu'en plus, on peut, comment dire, avec les doublons, on peut récupérer des clés de cryptage en plus et tout, donc voilà. Donc, mais bon, ce soir, on ouvre les 16 ravitaillements rares, donc c'est parti, le premier, 200, bah, du coup j'ai testé la dernière fois, ouais, 200 points CP, bon ça c'est un peu pour les riches on va dire, hein. Enfin ceux qui ont de l'argent à mettre dans Call of quoi, donc voilà, c'est un peu, j'ai regardé le ratio, c'est un peu les mêmes prix que quand il y avait sur Advanced Warfare les ravitaillements ravitaillements, donc c'est des trucs vachement chers quoi, donc je préfère attendre, surtout que les clés de cryptage se gagnent assez rapidement quand même. Donc voilà, donc moi je pense, à mon avis, si vraiment, à moins que vous avez vraiment beaucoup de sous, vous êtes dans un milieu assez aisé et que Call of c'est votre passion et que voilà, pourquoi pas, mais bon voilà, donc je pense que c'est quand même mieux d'éviter de payer pour ça. Donc voilà, donc allez, c'est parti, on ouvre le premier. Épique, rare et standard. Donc batterie, thème de tête avec les cheveux bleus. Pas mal en mode punk, limite punk. Voilà, Seraph avec la tête bleue aussi, ciel, pas mal. Et camouflage champ. Donc je sais pas si je l'ai déjà, mais en tout cas je l'ai sur d'autres armes. Ouais. Allez, c'est parti. Donc j'ai eu 5 clés de cryptage en plus, bonus. Donc c'est qui est pas mal sur les rares. Allez, on continue du coup. Mouvement cassé de batterie. Tireur élite. Variant de locus tir rapide. Donc j'ai un deuxième tir rapide. Notre style. Et le ballon de football que j'ai déjà. Une fleur. Révérence pour nomade. Et pouce levé pour batterie. Pas mal de mouvement. Ruée vers l'or. Attention, légendaire. Variante M6 poignard go en or. Stylé. Je pense que ça doit être bien donné sur l'arme. Viseur bleu. Ridicule viseur bleu. Pas mal. Et mouvement du spectre. Bonne partie. Alors, pouce levé du spectre. Alors, on a pas mal les pouces levés. Hein. Camouflage champ. Bah, pareil que l'ami que j'ai eu tout à l'heure. Mais sur l'XM 53. Et ménage, carte de visite ménage, pas mal. Sympa les petites cartes de visite. Épique, dévastation, l'ISR1, bah c'est parfait parce qu'en plus je suis en train de la monter en ce moment, donc je vais pouvoir m'équiper avec. Variante, la KN44 balle blindée, donc pareil, balle blindée sur la KN44 changée. Et mouvement de Seraph, haussement d'épaule. Bon, de toute façon, on va aller voir tout ça tout à l'heure. Donc, dès qu'on aura fini d'ouvrir tout ça. Donc, on continue tout ça. Donc, poussière sur les V40, hein, pas mal. Osiris, variante de la Pharo, chargeur de cap, pas mal. Et mouvement de Seraph, bonne partie. Allez. On continue tout ça. Camouflage sur lance-roquette. Firebreak, le casque de nuit noir, stylé. Moi, franchement, je le trouve vraiment joli. Et hallucination. On continue. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Double mise, viseur réflexe réticule, donc nouvelle réticule du viseur, réflexe, la chenille de nomade, et nouvelle réticule pour le viseur thermique.
Et 10 clés de cryptage en bonus pour celle-là. Transgression. Ouais, il est joli celui-là. Transgression. Mais je l'ai d'ailleurs sur la jolie 40, je crois. Et les beaux jours sur la Ken 44. Celui-là, je l'adore ce camouflage. Bah, nickel. 44, parfait. Et c'est parfait, canon long. Je commence à avoir pas mal d'accessoires du coup. De variantes d'accessoires d'armes. C'est pas mal ça. Le camouflage tempête qui claque sa mère sur la Dredge 48. Bon, c'est pas vraiment le style d'armes que j'aime, mais ça tombe très bien. Parce que ce week-end, il y a une soirée Rambo avec la team Punisher. Donc, on va en profiter pour prendre cette arme-là et mettre ce beau camouflage. Et le camouflage infrarouge ASVG 100, qui a l'air joli aussi, on va voir ça de plus près tout à l'heure. Et cette clé de filtrage gratos. Variant de la Vesper Tirapine, sympathique. Poulet frit. Poulet frit. On continue. Hallucination sur la Weevil. Point brandi sur Spectre. Pas mal. Et cette clé de petit cryptage. En plus, on continue. Variante espionnage. Variante de Bressy silencieux. Pas mal. Silencieux donc sur la Bressy 225. C'est réglé mouvement du rappeur. On va voir tous les mouvements et tout, on va voir, il y a un truc qui doit être marrant, je pense. Et infrarouge sur le locus. On continue. Je crois que j'ai eu des trucs sympathiques. On va voir plus près, parce que là, je vois comme ça, ça a l'air stylé, mais on verra plus près de tout à l'heure. Waouh! C'est quoi ça? L'escroc. Escroc camouflage sur la Weevil, il a l'air magnifique. Il a l'air magnifique. On va voir ça tout à l'heure, mais il a l'air vraiment magnifique. Delos Muertos sur l'Outrider, pas mal. Et mouvement hahaha de l'Outrider. Et ben puis je crois que j'ai mis pas mal de bons trucs. Hein. Alors, regardez tout ça, tempête sur l'XR2, stylé, infernal sur le couteau et pointé de Seraph que tu dois peut-être avoir, je pense. Hein. On va voir les doublons aussi que j'ai eu, mais je pense que j'ai eu en double. Cassé d'Outrider, infernal sur l'XR1 et carte de visite vol. Avec ça, vous êtes tranquille. Ah bah ouais. Attends, je suis pas encore tranquille. Il m'en faut encore plus. Northwood, variante de M8, poignée Argo. Bah, j'en ai pas mal, franchement, d'accessoires. C'est pas mal, parce que j'aimerais bien avoir un peu tout, voir ce que ça donne, un peu les... Seraph menacés, autocollants, un peu... Bon, pas trop... Bof. J'aime pas trop les autocollants, moi. Discrétion, Gorgon. Ah, matériau pour... pour faire ses emblèmes dans l'atelier là pour faire les camouflages d'armes et tout. Donc champ, pas mal. Et coup à la poitrine de prophète. Et le dernier, mesdames et messieurs, le dernier de ces 16 largages de vêtements rares de ce soir est. Variant dans un bac canon long. Et tempête sur la Weevil. Yeah! Et un emblème mort-vivant. Bon, pas mal, mais bon, j'ai gagné mon emblème Punisher que j'ai mis un peu de temps à faire. Et bah tiens, par curiosité, je vais faire un petit standard aussi, tant qu'on y est, pour voir un peu ce que ça donne par rapport à Royal, M8, Reticule, et voilà. Donc comme on voit, j'ai eu que des standards. Bon, après, j'ai pas eu non plus énormément de chance, mais j'ai eu que des standards, donc c'est vrai que par rapport au War, ça a changé. Hein. C'est vrai que les rares, maintenant, valent vraiment le coup. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 30 un rare au lieu de 3 standards? Après, bon, je pense que c'est kiff-kiff, c'est chacun pense comme il veut, mais voilà. Moi, si c'est mon avis, à la limite, à la vitesse où ça se débloque les clés de titrage, je pense que je préférais plus pour ravitaillement rare. Donc voilà, donc détruire les doublons, j'ai dû en avoir 6 doublons standards, donc ça me fera normalement 6 clés de cryptage. Non, 15. Oui, bah je sais plus alors comment ça marche. Ah oui, c'est par deux, je crois, dès que c'est des standards. Voilà, bah allez, du coup, pour fêter ça, on en refait un autre. Ah bah, le même que tout à l'heure, mais sur la Dredge. Carte de visite ruine et camouflage. Voilà, bon, bah voilà, moi,
Je reste sur mon avis, il faut continuer sur les. Sur maintenant faire des ravitaillements aurores. Hein. Voilà, donc on va faire un petit tour vite fait de tout ce que j'ai eu. Donc allez, commencez par les spécialistes, c'est parti. Alors, Ruin, j'ai rien eu. Outrider, j'en ai eu pas mal. Alors, le corps. Los Muertos, je suis là, il est sympathique. Allez, je le mets, hop. Provoquer mouvement, menacer. Alors, casser. Yeah, clac, je te casse en deux, mon gars. Boum. On va faire. Pow, je te casse en deux, mon gars. Pas mal. Va se vanter. Ha ha. Celui-là, il est pas mal, franchement. Quand tu fais une bonne game, toi, tu exploses les ennemis d'en face, tu fais un petit comme ça. Je me fous de ta gueule, toi. T'es vraiment une brêle, toi. Pas mal. Ah, il est marrant celui-là, moi je le mets celui-là. On va rigoler avec ça. Ils ont fait des trucs pas mal quand même, hein. Franchement, bonne partie. Coup de poitrine. Boum, boum, boum. Oh, c'est qui le patron là? Oh, c'est qui le patron là? Boum! Je suis un dur. Ah, sympa. Non, franchement, sympa ce que j'ai gagné. Ah, mince, je peux pas. Alors, attendez. À faire comme ça, spécialement pour vous. Ah oui, j'ai débloqué donc. Yeah! Le punk! Toutes les couleurs! Alors, on voit du steak comme ça. Provoque, bonne partie. Pouce levé. Yeah! Yeah! Bien joué! Cassé. Ah, je te casse en deux, moi! Comme l'autre tout à l'heure. Pas mal, j'aime bien celui-là aussi. Allez, on passe au suivant. Pareil, alors débloquer ça, personnaliser, bonne partie, révérence. Voilà, celui-là, on le voit assez souvent maintenant. Touloulou, ma révérence, pointé, yeah, pas mal aussi, pas mal. Menacer et casser, bon, j'ai eu pas mal du coup. Celui-là, j'ai débloqué sur trois spécialistes, c'est pas mal ça, parce que je l'aime bien celui-là. Se vanter, haussement d'épaule, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, bon, il est pas terrible, tu vois. Et ouais, et n'empêche, tout ce qu'il y a est 11. 11 pour un seul move, enfin, une seule partie. Encore 11 là, c'est. Il y en a énormément, n'empêche. Hein. Ça, c'est cool, ça. Hein, parce qu'au moins, il y a vraiment le choix et chacun peut vraiment mettre son truc à lui, quoi. Et là, j'avais, oui, le ciel. Voilà. Bon, je préfère quand même ces cheveux qui dépassent. Personnaliser. Allez, bon, pareil. Yves, alors. J'ai eu la chenille. Ah oui, la chenille. Ah non, franchement, lui. En mode. Faut que je mette l'habit tout en vert et ça. Donc pour Redwood, la map Redwood, ça passera bien. Bonne partie, révérence, pareil. Touloulou. Ma révérence, c'est tout pour lui. Ensuite, Reaper aussi, j'ai eu quelque chose. Pareil, menacé. C'est réglé. C'est réglé. Frotte les mains, ça c'est fait, c'est réglé. Allez, ciao, merci, au revoir. Ensuite, allez, je débloque du coup tous les spécialistes. Bonne partie. Révérence, bon, on le connaît. Et pouce levé, normalement, c'est le même qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, mon gars, bien. Se vanter, point brandi, ça on l'a jamais vu. Yeah! Y'a mon gars. On continue. Et une nouvelle tête. Ah oui, la tête noire. Ah, je kiffe celle-là, elle est stylée. Elle est stylée, celle-là. Ouais. Et ben voilà, donc c'était tout pour ces spécialistes. On aura vite fait les camouflages d'armes. Bah, d'ailleurs, les serins, j'en ai eu. J'ai eu donc la dévastation, qui est jolie, que je vais mettre direct cash. Et l'infernal. Infernal que j'aime moins bien, que bon, à son style, mais j'aime moins bien, mais la dévastation est vraiment stylée, sa mère. Épique. On continue. Alors, je vais mettre par là. Le locus, j'en avais eu, si je dis pas de bêtises. Voilà. L'infrarouge, qui est joli. Franchement, joli. Il fait. En fait, c'est le. C'est le. Il est joli, ouais. Franchement, en fait, c'est le même que. Voilà, comme. Ah, j'ai perdu son nom. Entier, voilà. Entier, sauf qu'il y a d'autres. C'est fait autrement, en fait, le style. Mais il est joli. Franchement, il est joli. Donc, pour le locus, j'ai 100. Mince. Oui, j'en ai eu aussi. Bah, je crois que c'est pareil, j'ai eu le même. Voilà, j'ai 100. Qui est. Ouais, j'aime bien celui-là. Ce camouflage est joli.
Mince. Ensuite, BRM, est-ce que j'avais eu quelque chose? Oui. 4. Dévastation aussi. Ça, je kiffe. Contraste, bon, pas de side jump, pas. Hallucination non plus. Et Verde, bon, bof. Voilà. Ensuite, on descend. Alors, après, j'ai pas envie de vous débloquer. J'ai envie de garder un peu mes points quand même. KRM, est-ce que j'en ai eu? Oui. Bon, contraste et infernal. Bon, pas top top. Ah, je crois que je sors. KRN, les beaux jours, je me souviens. Ah, ça va bien aller dessus. Voilà, il est joli celui-là, j'aime bien. Il claque celui-là. Ouais, bah, parfait, nickel. XR2, j'en avais débloqué aussi. Un joli, il me semble. La tempête, voilà, le tempête qui est vraiment joli comme tout celui-là. Aïe, 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 aïe. Avec les éclairs et tout bleu là. Ah, il pète sa mère celui-là. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que celui-là, bah, c'est le plus joli que j'ai en ce moment. Dans toute ma collection d'armes, je crois que c'est celui que j'ai. C'est le plus joli, celui que je préfère. Donc, XR2, après, il y avait quoi? HV40, est-ce que j'en ai eu? Putain, j'en ai eu pas mal en fait, hein, ça, c'est pas mal. Hein. Poussière, voilà, poussière, pas trop mal. Je crois qu'il bouge un peu en fait. Je sais pas si c'est moi ou le jeu ou le truc, j'ai l'impression qu'il bouge. Voilà, ah oui, oui, non. Ah bah j'avais pas regardé ça, et je venais de le débloquer en or. Ensuite, XR1. XR1. Ah oui, on a vu, je crois. On a vu ça tout à l'heure, là. La Man of War. Est-ce que j'ai débloqué les choix? Oui. Infernal. M8. M8. Discrétion. Bois. Royal. Royal bois, pas terrible. Hein. Ça fait rose. Non, c'est pas trop mon truc. Échant. Voilà, et les mitraillettes, transgression pour la KF5, la KF5, ça ressemble tellement que la QDA, pardon, transgression, donc les stylés, moi j'aime bien, voilà, ensuite la VMP, est-ce que j'avais eu quelque chose, non, je crois pas, non, la Weevil, j'avais quelque chose d'intéressant il me semble. La tempête aussi, qui est super stylé. Et l'escroc que j'ai vu, pareil, stylé celui-là. Avec les bulles et tout qui bougent comme ça et tout. Ça fait genre néon, un peu truc néon là. Stylé, hein. Franchement, j'aime celui-là aussi. Hein. Entre les deux. Ah, je sais pas ce que vous en pensez. Vous préférez laquelle? Dites-moi en commentaire ce que vous... laquelle vous préférez entre les deux. Là. L'escroc ou la tempête? On fait un petit sondage là. Sur ceux qui regardent la vidéo. Et laquelle vous préférez? Tempête ou escroc? Ça fait plus boîte de nuit, toi, donc bon, c'est pas trop coiff, mais les couleurs sont jolies, le style est joli, et tempête, il y a moins de couleurs, mais c'est quand même les éclairs bleus et tout là, ça. Eh ben écoutez, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Tapez 1 pour tempête et tapez 2 pour escroc. Non, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, quel vous préférez, quel des camouflages vous préférez. Donc voilà, ensuite Vesper, est-ce que la Vesper j'ai débloqué des choses? Oui, non, c'est déjà ce que j'ai débloqué avant. La Pharo, non, ça n'a pas changé, et Razorback non plus, non. Et ben voilà les amis, c'était tout. Ah oui, j'ai les cartes de visite aussi, mais bon, après si on regarde tout, parce que voilà, merde, carte de visite. Alors, le poulet frit. Tanana. Du bas de nourriture. La section bas de nourriture. Après, en standard, j'ai eu. Donc, le ménage. Avec les deux voitures qui se font la course. Et hop. Vol. Et ruine. Et voilà. C'était tout. Ah, j'ai aussi. Ah oui. Mais non, emblème, j'ai tout là. Il met encore. Ouais, je sais pas. Et marché noir, donc j'ai eu le mort-vivant. Voilà. Mort-vivant. Et puis voilà. Donc bon, moi je garde mon Punisher, Team Punisher Gaming. Que j'ai mis un petit peu de temps à faire, surtout le crâne en fait. À faire, mais j'ai réussi quand même. Donc voilà. Et ben voilà, c'était tout pour cette série. pour cette vidéo, pardon, d'ouverture de la gage.
rares. Donc bah, j'en referai une très prochainement. Et puis en même temps, j'en profite pour cette vidéo pour vous dire que bon, actuellement, là, ces dernières semaines, j'ai pas eu le temps de mettre beaucoup de vidéos parce que je suis en pleine préparation pour la vidéo de présentation de la Team Punisher Gaming 2016. Donc c'est énormément de boulot au niveau des montages et tout. Donc ça prend énormément de temps, mais du coup, je taffe beaucoup dessus. Donc voilà. Puis en même temps, je prépare aussi les schémas techniques. Pour les équipes compétitives qui vont bientôt s'ouvrir là, sur la Team Punisher Gaming. Donc voilà pour l'absence de mes vidéos de ces deux dernières semaines, donc je m'en excuse, mais donc voilà, donc il y a des futurs projets qui se mettent en place et vous serez tous tenus au courant d'ailleurs. Et donc voilà. Donc et ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.